2, 3, come on girls. Hello, nous sommes lundi et je vais vous faire un petit retour sur les trucs dont je vous avais parlé. En premier, il y a ça, c'est le parmentier au Cantal côté végétal de Fleury Michon. J'ai pas tout mangé, ça ressemble à ça. En fait, ça a pas trop de goût. Ça a fait le goût du parmentier, mais ouais, ça a pas trop de goût. J'ai pas voulu ressaler parce que généralement, c'est très salé ces choses-là. Mais voilà, j'ai pas trop aimé. Et je voulais aussi vous reparler de ça, des crunchy muesli minis. C'est à la cannelle, c'est comme les Golden Grams en fait. Et je trouve ça pas bof en muesli comme ça. Donc je rachèterai pas. Je vais aller à l'Axou parce qu'il fallait que j'aille à Suzuki pour ma voiture. C'est la deuxième fois qu'elle m'affiche le voyant de pression des pneus. Donc je suis allée voir qu'il n'y avait rien de crevé et tout va bien. Et ensuite on est allé au champ parce qu'il me fallait deux, trois petites choses, rien d'intéressant, un répertoire, du vinaigre blanc, truc pour mes lentilles, bref. Et Flora vient de m'appeler. On va à Stokomanie, je viens de chercher. Donc Flora arrive et on va à Stokomanie où il y a toutes les décos de Noël. Et vu qu'il n'y a pas mon chéri, je pense qu'il y a moyen que je prenne deux, trois petits trucs. Par contre, le souci, c'est que j'ai acheté pas mal de choses à Flora pour son swap. Donc du coup, va falloir que je guette qu'elle prenne pas un truc que j'ai déjà pris. Voilà, ça c'est toujours notre difficulté qu'on a. Parce que des fois, on s'achète des trucs et on se les achète après. Et du coup, on a des trucs en double. Donc je vous emmène encore une fois avec moi et dans nos délires. On va pas les lasticots. Yeah. Notre petite pépite. Mais je la prends pas parce que je mets rarement des jupes. Nous sommes mardi, j'ai peut-être l'air un peu fatiguée, j'ai très mal dormi cette nuit. Mon chéri se couche avant moi en ce moment et en fait quand j'arrive dans la chambre, il dort à ma place. Et cette nuit j'ai pas voulu le bouger, j'ai dormi du coup à sa place et j'ai super mal dormi. Je pense même que j'ai dû lui donner des coups dans la nuit, j'enverrai ça tout à l'heure avec lui. Ah oui, et aussi je porte souvent ce sweat. C'est un sweat que mon chéri m'a donné parce que pour lui, il est un peu trop serré. Et du coup, je le mets tout le temps. C'est un peu mon pyjama. Je suis nue en dessous. Mais voilà, si vous voyez toujours avec, c'est mon pyjama avant que je le lave. Mais voilà, je suis en pyjama. Donc du coup, hier avec Flora, nous sommes allés à Stokomanie. On a fait la fermeture du Stokomanie. Parce que Flora, elle a voulu fouiller vraiment toutes les fringues et tout ça. Elle a trouvé des super belles pièces. Moi, j'ai rien trouvé. Elle vous fera un haul sur sa chaîne, mais franchement, les trucs qui valaient le coup, je vous ai snappé sur Snapchat les petites choses qu'elle a trouvées. De toute façon, n'hésitez pas à me suivre vraiment sur les réseaux sociaux et Snapchat parce que quand il y a des bons plans comme ça, je vous les mets à chaque fois sur Snapchat. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier. Du coup, j'ai pris des Kinder, ça c'est mon péché mignon. J'ai pris des tout simples et des White que j'ai déjà attaqués, ça coûtait pas cher. J'ai acheté ceci à mon chéri, ça coûtait 2 euros. Et avec Flora, on a changé les bocaux. En fait, il y avait des bocaux orange et des pailles orange. Moi, j'ai pris tout en noir. Et mais il est super beau, mon chéri. Il regarde beaucoup les petites statues comme ça, vous savez, squelettes et tout ça. Et là, je me suis dit, pour 2 euros, elle est super sympa. Je pense pas qu'il va l'utiliser pour boire dedans ou quoi. Mais je trouve qu'en déco, d'ailleurs, je vais la mettre dans ma déco d'Halloween. C'est super sympa. C'était d'ailleurs dans les décos d'Halloween. Et du coup, vous vous en doutez, j'ai pris des trucs de Noël. Ça va, mon chéri, il a trop rien dit. Flora aussi, elle a pris des trucs de Noël. En premier, j'ai pris ceci. C'est une boîte à musique qui coûtait 5 euros. Et j'aimerais bien trouver, vous savez, une grosse boule de Noël. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Santa Claus. Il me semble que c'est ça le titre. Ça sent les égouts chez moi. Et il y a une grosse boule à neige dedans. Mais là, il n'y en avait pas, il n'y en avait qu'une petite. Mais celui-ci est vraiment très joli. J'ai pris ceci. C'est trois boîtes en fait. Il y en a une dans le chapeau. Il y en a une dans la tête. Et il y en a une dans le corps. Ça, ça coûtait 5 euros également. Ils le font aussi en Père Noël. Mais moi, je trouvais que celle-ci était beaucoup plus jolie.
Ensuite, j'ai pris deux sets comme ça. Il me semblait qu'il y en avait encore des argentés. Enfin, la première fois que je les ai vus, qu'il y en avait des argentés. Et là, il n'y en avait pas. Ça, ça coûtait 2 euros. Du coup, j'ai pris un doré et un rouge pour décorer un peu. Pas pour utiliser en set de table. Mais je les trouvais vraiment très jolies. Du coup, en fait, là, j'ai acheté les choses que j'avais repérées que je trouve très jolies. Et après, pour tout ce qui est sapin, parce que cette année, mon chéri voudrait qu'on change la couleur du sapin. Le mien, il est bleu, gris, noir, et le sapin est blanc dans les tons-là. Et il voulait le faire déjà l'année dernière en bronze, et cette année, il voudrait le refaire en bronze. Sauf que je trouverais que ça fait plus joli sur un sapin qui est vert, avec du noir. Je sais pas trop, j'ai essayé de regarder sur Pinterest, mais j'ai rien trouvé en déco de sapin, donc je sais pas trop, on reverra. Et j'ai acheté cette assiette, c'est une en plastique, il y en a aussi en verre, elle coûtait 1,50€ et je la trouve absolument magnifique. Il y avait beaucoup d'autres illustrations, mais c'est vraiment celle-ci sur laquelle j'ai flashé. Et moi, j'adore cet aspect, voilà, de Noël ancien, en fait. Je sais pas pourquoi, parce que moi j'aime beaucoup le quand c'est très moderne, mais au niveau de Noël, j'adore ça, et c'est entre autres pour ça que j'ai hâte que la collection de Sostrengren de Noël sorte, parce que je suis sûre qu'il va y avoir des trucs comme ça. Et ensuite, hier, on est retourné au champ parce que Flora voulait s'acheter à manger pour le soir. Du coup, j'ai racheté des trucs parce que moi, je sais pas comment est votre mec, mais le mien, il aime pas trop faire des magasins, comme la plupart des mecs. Stokomani, ça le gêne pas parce qu'il y a le rayon mec, donc il va voir. Action, il aime pas du tout. Et au champ, au début, ça va, il va dans les rayons livres, jeux vidéo, technologie, trucs comme ça. Et dès qu'on rentre dans tout ce qui est boîte de conserve et tout, là, il commence à en avoir marre. Et du coup, ce qui fait que je vais juste chercher ce que j'ai besoin et on y va. Mais du coup, bah, avec Florent, on a plus le temps un peu de flâner. Donc du coup, j'ai acheté des conneries, des yaourts, si on n'en avait plus, de la salade, parce qu'on n'en avait plus, des suites-tout. Enfin bref, les trucs à prendre. Il y avait 2-3 promos, j'ai acheté une mini pizza pour moi. Les carrés mozza côté végétal, là, que j'aime beaucoup, qui était en promo. Voilà, quelques petites choses. Et ce soir, on retourne avec Florent, on va à Centre Accor, qui est à côté du Stokomani à l'Axou. On voulait y aller hier, mais vu qu'on a fait la fermeture, et je vais retourner au Stokomani parce que je voudrais acheter les petites choses de Noël pour la maman de mon chéri. Et m'acheter aussi un nouveau pommeau de douche parce que le nôtre là commence pas à partir en lambeaux. Donc on va y aller avant d'avoir une fuite. Donc voilà, donc je retourne ce soir faire les magasins. Nous sommes mercredi et comme je vous l'ai dit hier, je suis allée à Centre Accor. Je suis également retournée à Action. À Action, j'ai acheté des petites choses qui ne sont pas intéressantes, dont j'avais besoin. Et j'ai trouvé mon set de table argentée. Alors en fait, où il y avait toutes les grosses assiettes, et ben ils avaient mis des sets en fait en dessous et il y en avait deux argentées. Du coup, j'en ai pris un comme ça. J'ai trois couleurs. C'est toujours pratique et je trouve que ça décore tout de suite une pièce. Et chez Centre Accor, très surprise, ils avaient beaucoup de trucs d'Halloween pour vraiment pas cher du tout. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Viens là. En premier, j'ai pris ce, bah, encore un set de table avec des araignées comme ça que je trouvais super sympa. Il coûtait 1,50€ ou 2€. Et j'ai pris ceci. Une tête de mort, elle est en polystyrène et elle est enroulée de toile d'araignée. Et ça, ça coûtait 5€. Et il y en avait d'autres, il y en avait plein. Et de toute façon, je vous ai fait des vidéos. Et voilà, super sympa, franchement. Il y en a une qui m'a demandé parce qu'elle m'a dit qu'elle faisait des soirées où c'était plus le Centre Accor. Il est au-dessus du Stokomani à l'Axou. Et il y avait beaucoup de déguisements et de grosses décorations. Il y avait une mariée, il y avait des squelettes. Enfin, il y avait pas mal de choses pour vraiment pas très cher. Et on y retournera pour Noël. Et ensuite, je suis allée au McDo. J'ai goûté du coup le Grand Veggie, j'étais la seule, et ils ont refait les trucs, vous savez, Monopoly. Mais le souci, c'est que, je sais pas si vous avez un peu suivi l'année dernière, mais les lots que vous pouvez gagner, en fait, vous pouvez gagner des lots en instantané et des lots si vous cumulez les billets Monopoly. Et l'année dernière, tout était parti d'un coup. Et là, en fait, ils font sous forme d'enchères. Donc, je trouve ça un peu bête, quoi. Vous pouvez gagner, vous savez, la chance de gagner 2000€. Et Flora a gagné une petite boisson et un donut, et moi j'ai gagné un donut. Et du coup, j'ai goûté le Grand Veggie. Je le trouvais vachement gros, à peu près comme ça, par rapport aux autres burgers.
Donc j'étais assez surprise par ça. Par contre, je l'ai même pas fini. Je le trouve pas fade, mais je sais pas. Je trouve qu'il manque un petit truc. Et je goûte, vous savez, chez Irta ou autre, des fois un peu des steaks végé, ce genre de choses. Et je trouve que bah, c'est meilleur les trucs Irta que ça. Ça, c'était plus en fait de l'épice. Et je sais pas, il manque un petit truc. Donc clairement, je le reprendrai pas. Et ce midi, ça je vous ai pas filmé, je suis allée manger à l'Aksu au Royal Gambas. C'est un chinois buffet à volonté et grillade. J'en peux plus. J'ai le ventre plein. Franchement, il était pas mal du tout. C'était la première fois que j'allais là-haut. Moi, vous savez que je vais toujours au Lean Work qui est près de Nancy Centre, de la déchetterie, du Conforama, dans les coins-là. Et ouais, franchement, pas mal du tout, on a bien aimé. Il était sympa. Et du coup, là, je viens de finir ma FAQ, il va falloir que je la monte parce que demain, j'ai ma formation, vous savez, pour ma création d'entreprise. Réunion collective toute la journée, ça ne m'enchante guère, ça fait que je perds une journée. J'ai qu'une heure pour manger le midi, il va falloir que je me presse. Bref, mais bon, c'est bientôt fini. Début novembre, normalement, c'est fini. Je suis contente. Donc voilà, donc bah au boulot. J'ai mis ça là, près de ma télé, devant mes pop, et j'ai mis des bougies comme ça, que je trouve absolument magnifiques. Je les avais eues dans un casa qui était en liquidation, et mon chéri à un moment il les a fait brûler. Il comprend pas que c'est de la déco, il dit bah c'est des bougies, ça fait pas de bruit. J'ai dit mais non, ça va que j'ai réussi à les sauver à temps. Et j'ai oublié de vous montrer un truc que j'ai acheté aussi hier à Centre Accord. J'ai acheté cette boîte comme ceci qui est en plastique pour mettre le swap de Flora. Donc elle a vu la boîte, je lui ai demandé si ça lui plaisait, elle m'a dit oui. Bon, c'est pas bien grave si elle a déjà vu ça, mais comme ça déjà j'ai la boîte, je peux mettre, déjà là il y a tout dedans, il y a juste un truc qui passe pas qui est sur le côté que j'ai caché parce que j'emballerai tout à la fin. Et là j'ai d'autres choses que j'ai commandées qui doivent arriver et après il faudra que je refasse un petit point pour voir ce qui me manque pour arriver aux 25 produits. Nous sommes vendredi. Comme je vous ai dit, hier, j'étais à ma réunion collective pour la création d'entreprise toute la journée à Nancy. Je trouve qu'il y en a, ils ont des projets absolument dingues. Et il y en a, ils ont des projets, mais de mon point de vue, moi, c'était un peu voué déjà à l'échec. Enfin, je trouve ça dingue. Il y en a par exemple qui voulaient ouvrir dans le service à la personne, donc milieu que je connais très bien parce que j'y ai travaillé pendant 3 ans. Et il y en a d'autres qui voulaient ouvrir un restaurant, milieu que je connais aussi très bien parce que mes parents y ont travaillé pendant 15 ans dans un petit village et sur Nancy. Et il y en a, ils ne se rendent pas compte de tout ce que ça demande, de l'apport que ça demande. À un moment, il a fait un exemple en mettant le nombre de couverts, par exemple, si je crois qu'ils empruntaient tant, le nombre de couverts qu'ils devaient faire pour 20 euros, il y en avait 30 couverts par jour, enfin, c'est énorme. Bon, après, c'est un exemple, hein, ça, ils voient avec leur comptable, mais ouais, il y en a, ils se rendent pas compte, quoi, ça fait peur un peu. Donc voilà, bah, moi, j'ai noté pas mal de petites choses qui m'intéressaient, après, tout n'était pas très intéressant. Mais c'est pas grave, c'était ma dernière réunion. Le midi, j'ai mangé avec Flora, on a mangé chez Paul, j'avais qu'une heure pour manger. J'étais tout en bas au niveau de la cathédrale, j'ai dû tout remonter la rue Saint-Jean. Vous imaginez bien, j'aurais dû prendre le tram parce que quand je suis arrivée, il y avait le tram. Et après, j'ai dû tout redescendre, j'en pouvais plus. Ce qui fait que même j'ai des ampoules. Et en plus, hier, je suis rentrée mal de tête. Ce matin, je me suis levée mal de tête, ça me saoule. Parce que là, je ne sais pas dire pourquoi j'ai ça. Parfois, c'est quand je fais trop d'ordinateur. D'autres, c'est parce que je me suis énervée. Mais là, je ne vois pas du tout ce que j'ai eu. Donc, ça me saoule. Et hier, j'ai eu un colis. J'avais trop hâte de vous le montrer. Mais avec mon chéri, on s'est rué dessus. Et du coup, j'ai gardé le reste en disant « Non, j'ai oublié de leur montrer ». En fait, j'ai commandé des cookies sur l'Instagram de Ocha Beauté. Et elle fait des cookies de dingue. Donc, je les ai payés et tout ça. Donc, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Et en fait, c'est des cookies que vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Donc, moi, j'ai acheté les 8 cookies pour 16 euros. Et vous avez 8 euros de frais de port parce qu'elle vous les envoie en 24 ou 48 heures.
Donc, ce qui fait, si vous calculez, 23 euros par cookie. Je trouve ça très raisonnable. Et en fait, vous pouvez choisir la pâte, donc soit vanille, soit chocolat. Vous pouvez choisir le fourrage, donc Nutella, beurre de cacahuète, caramel au beurre salé, je ne sais plus trop ce qu'il y avait. Et vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez dessus. Donc, Kinder, Malteser, Bounty, Snickers, vous pouvez choisir plein de choses. Elle fait aussi des cupcakes, des gros cookies, des cookies en cœur. Enfin, elle fait plein de choses. Et moi, du coup, je vais vous montrer les derniers qui me restent. Donc là, c'est vanille, Nutella et Bueno. Là, il y a vanille, Nutella et Chocobon. Et là, c'est vanille, caramel au beurre salé et Malteser. Et donc, voilà, il y en avait d'autres. Moi, j'ai pris que des cookies. Mon chéri, il a fait des trucs bizarres. Franchement, ils sont vachement bons. Je ne recommanderais pas tout le temps. Mais si des fois, vous avez des... Elle fait aussi des gros plateaux si vous avez... Des anniversaires ou quoi, ça peut être super sympa et voilà, je trouve ça super joli. Et j'ai juste fait une photo pour Instagram que j'ai même pas mis en ligne et après on s'est grillé dessus avec mon chéri. Bref, ça et j'ai reçu mon calendrier de l'Avent. Trop contente, mon facteur il vraiment me l'a porté jusque devant la porte. J'étais en pyjama lapin avec un décolleté hyper plongeant. Bon, c'est pas grave. Il est assez sympa, il est un peu bizarre mais il est assez sympa. Du coup je vais vous le montrer mais je suis trop contente. En premier je avais pu choisir 5 échantillons. Donc j'ai pris ça mais ça m'étonne que j'ai pris c'est un concentré régénérant jour. Je sais plus si j'avais pris ça. Là c'est un toner, ultra facial toner. Ça c'est la crème pour les yeux à l'avocat, hyper connue. Ça c'est une huile, non un gel crème all fruit. Et ça, c'est un super multi-correctif cream. Voilà. Bon, j'ai un peu parlé en anglais. Et voici la bête. Tadam ! Elle est énorme, hyper gros. Là, elle a été un peu endommagée, mais bon, c'est pas bien grave. Là, il y a marqué en fait les produits, mais ça va que c'est écrit un petit truc. Mais je trouve le packaging absolument magnifique. Et voici l'intérieur. Elle est trop belle. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Je vous ferai les ouvertures du coup en vlog, je pense. Je les ferai pas sur Snapchat parce que de toute façon, sur Snapchat, tout le monde va ouvrir ses calendriers. Donc moi, je les ferai en vlog. Je trouve ça voilà, plus sympa. De toute façon, je pourrais pas faire en vlog et sur Snapchat parce que je filme avec mon portable. Donc ça sera en vlog, mais j'ai trop hâte. Et j'en ai commandé un autre. Je peux pas trop vous dire là. Je vous montrerai sur Snapchat parce que je pense que la personne regarde mes snaps. Mes vidéos, mais pas mes réseaux sociaux. Donc je vous montrerai ça quand je l'aurai reçu. Normalement, je le reçois peut-être demain ou lundi ou début de la semaine prochaine, quoi. Donc voilà, j'ai reçu aussi un autre colis ce matin, mais c'est pour Flora. Et pareil, je peux pas trop vous montrer. Si vraiment vous voulez voir, venez me parler sur Snapchat. Je vous enverrai une petite photo. Mais après, je peux vous montrer nulle part parce que Flora me suit partout. Donc si vous venez me parler en privé, là, je peux vous montrer, mais c'était trop mignon. Donc voilà, et aujourd'hui bah, il faut que je travaille parce que demain je dois poster une vidéo, elle est toujours pas filmée et aujourd'hui c'est ma fête, le 20 octobre, c'est la Sainte-Adeline. Donc demain mon chéri doit aller m'acheter des fleurs, je lui ai demandé qu'il m'achète des fleurs. Donc voilà, bon, je trouve ça un peu nul les fêtes mais bon, c'est bien quand même. Au final j'étais pas allée dans la boîte aux lettres et j'ai reçu un petit kit. Alors, faut que je vous explique avant, je l'ai pas ouvert, je vais le découvrir avec vous. Ça se présente comme ceci. Et en fait, c'est les créations de Sylvaine de la Courte qui a travaillé comme directrice de la création de Guerlain et qui a fait des créations telles que L'Instant, Assolence ou encore Champs-Élysées chez Guerlain. Et en fait, là, elle lance un concept unique qui est de décliner une matière première de manière originale et inédite et de faire découvrir des parfums d'exception à travers une vraie expérience de découverte olfactive. Donc en fait, vous recevez ce petit kit découverte avec 5 parfums de la première collection Musc. Donc ce petit kit coûte 4 euros et ça vous permet en fait de découvrir les parfums et de pouvoir après choisir votre parfum en grand flacon en fait. Donc je vais les découvrir avec vous. Alors ce qui est cool, c'est que vous avez les petits trucs comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, et vous avez dessus le nom de chacun des parfums que vous avez là, ce qui vous permet après de les retrouver. Donc on va commencer, je pense, par le premier qui est Dovana. Je ne sais jamais de quel côté il faut le mettre. Ça sent déjà bon. Alors Dovana,
C'est un absolu vanille de Madagascar, Neroli de Tunisie. C'est très frais. Bon, le musc, de toute façon, c'est déjà frais, mais très frais. Ça, j'aime bien. Ensuite, il y a Florentina, un peu plus fort. Florentina, c'est Iris Pallida. Ah non, tout est en français. Alors, attendez. Dovana, c'est un absolu ambrette d'Équateur, Iris Pallida, absolu vanille de Madagascar et Neroli de Tunisie. Florentina, c'est amande amère, absolu fleur d'oranger d'Italie, Iris Pallida, vétiver d'Haïti et banjo du Laos. C'est spécial. C'est fort et en même temps, c'est doux. C'est pas les choses que je porterai, mais c'est vraiment particulier. Ensuite, on fait Smeraldo. Alors, Smeraldo, c'est limette d'Italie, angélique de France, lentisque du Maroc et vétiver d'Haïti. Ça sent plus les agrumes, ça. Liliang, je pense que ça se dit comme ça. Alors, Liliang, normalement, il va avoir de Liliang Ylang. Mandarine d'Italie, bérose de la Réunion, Ylang Ylang de Madagascar, absolu jasmin d'Égypte et benjo du Laos. C'est extrêmement frais. C'est encore plus frais que le premier. Ouais, je préfère celui-ci. C'est très léger. Très, très léger. Et le dernier qui est Helichrys. Essence bergamote d'Italie, essence romarin de Tunisie, absolu immortel d'Espagne et essence patchouli d'Indonésie. Ouais, ça, on sent le patchouli et le romarin. Ça, j'aime moins. Mais ça plaira. Tout ce qui est... tous ceux qui aiment les odeurs fortes comme ça. Non, mais c'est... Franchement, c'est... J'aime bien avoir les descriptifs et sentir comme ça. Mais tout reste assez frais, en fait, vu que c'est au musc. Ça sent super bon. Du coup, parce que moi, ils m'ont envoyé ça gratuitement, vous vous en doutez. Mais j'étais pas obligée de vous en parler. Et ils m'ont dit que si j'avais un parfum coup de cœur, qu'ils m'offriraient un vaporisateur de voyage avec, avec mon parfum préféré dedans et qu'il y aurait une animation pour vous. Donc à revoir, je vous redirai ça. Moi là, ce que je vais faire du coup, c'est que dans les prochains jours, je vais les porter sur moi parce que je vous avais déjà dit que j'ai un pH assez spécial sur ma peau, ce qui fait que ça change extrêmement les parfums et que je suis très difficile en parfum et qu'il me faut des parfums assez forts. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai réussi à en trouver, mais pendant très longtemps, je me parfumais avec le Alien de Thierry Mugler parce que c'était l'un des seuls qui tenait vraiment sur moi. Par un moment, j'avais le Black XS. J'ai la tête qui tourne d'avoir tous les parfums. Et là, actuellement, j'ai le Parlez-moi d'amour, qui est un vieux parfum que j'avais retrouvé sur Beauté Privée. J'ai un que mon chéri m'a offert, qui est de... Je n'ai plus le nom. Et j'en ai un de Ariana Grande, qui est très frais et que j'aime beaucoup. Et soin de mon chéri. C'est une marque connue avec Kenzo. Voilà, avec la fleur, là, la tulipe. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de commander ce petit kit pour 4 euros. Je me rends chez ma maman pour manger un couscous. Une fin de vlog, je vais commencer à le monter comme ça il sera prêt pour demain et du coup je vous dis à demain pour un nouveau vlog, bisous. Bye.